ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout ouvert. Rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peuvent de ta grâce nous séparer. Le sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé. Chanter ce refrain ensemble, le calvaire a tout couvert. On va présenter nos cœurs devant le Seigneur, on va présenter cette réunion devant le Seigneur afin qu'on puisse adorer Jésus, hein, comme il le veut, en esprit, en vérité. Merci Jésus pour le calvaire, pour la croix, pour le salut en Jésus-Christ. Gloire à toi. Sacrifice aujourd'hui nous permet d'entrer en présence, ta présence, Seigneur Père. Et nous te remercions pour cela, que nous puissions tous ensemble ce matin, Père, entrer dans ta présence, réaliser qui tu es et ce que tu as fait pour nous, ton œuvre, cette œuvre d'amour, cette œuvre qui nous permet d'accéder à la vie éternelle. Nous te prions ce matin, Seigneur, que tu puisses nous sensibiliser à la voix de ton esprit pour que l'Église entende ce que l'Esprit a à dire à l'Église et que nous puissions ressortir de ce lieu fortifié
Père, pour continuer à te servir, pour être des disciples qui sont, oui, tes ambassadeurs. Accepte la louange et les prières que nous t'offrirons ce matin en signe de reconnaissance, de louange et d'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit loué. Ce matin, nous voulons annoncer le roi des rois. Amen. Nous voulons glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Alors, chantons ensemble. Alléluia, Jésus. Proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons ce matin, frères et sœurs. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous rechantons, nous annonçons le roi. Oh, nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons, oh nous célébrons sa gloire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de nous célébrons sa gloire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Élevons le nom de Jésus-Christ ce matin ensemble. Alléluia, Jésus. Jésus, tu es élevé ce matin. Alléluia, tu es bon, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es bon, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Les ombres du soir.
De tout notre cœur, chantons-le. Un canto il cuore innalza te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto in cuore
es grand, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu es grand, nous t'adorons, Jésus. Un peu à jouer. Prenons le temps pour louer et adorer le Seigneur Jésus. Prenons le temps pour contempler sa gloire.
Prenons le temps pour réfléchir à l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie pour toi et pour moi. Il s'est donné pour nous. Ce n'est pas de Jésus qu'on doit avoir pitié sur la croix. C'est réaliser son amour pour nous parce que nous étions pécheurs et il a donné sa vie pour nous. Le Seigneur Jésus va dire à ces femmes qui pleuraient sur lui lorsqu'il était fouetté et maltraité, « C'est pas sur moi que vous devez pleurer, c'est sur vos enfants qui sont en train de mourir dans le péché. » Ce matin, nous voulons réaliser la gloire de notre Jésus, son amour qu'il a démontré en donnant sa vie pour nous à la croix. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus l'a fait pour toi. Jésus l'a fait pour moi. Et nous voulons glorifier notre Sauveur ce matin. Nous voulons l'acclamer. Nous voulons le bénir. Nous voulons l'élever parce qu'il est le roi des rois. Il a vaincu la mort. Est-ce que l'Église peut rester insensible face à la gloire de Jésus, face à ce qu'il a fait pour nous à la croix? Gloire à toi, Jésus. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom. Est-ce qu'il y a des prières qui veulent s'élever, des voix qui veulent s'élever vers le Seigneur pour lui donner gloire, pour lui donner l'honneur et aussi pour intercéder pour les cas? Nous avons le petit Eliano qui a fait une chute hier et il a une petite commotion et nous voulons aussi intercéder pour lui. Nous voulons remercier le Seigneur pour la sœur Nunzi, elle a été opérée, ça s'est bien passé. La sœur Célestine, elle a été opérée, ça s'est bien passé. Nous voulons aussi ne pas oublier de prier pour les âmes qui meurent dans le péché. Que le Seigneur puisse sauver. Que le Seigneur puisse remplir de son esprit. Sentons-nous libres, frères et sœurs, que quelques voix s'élèvent. Alléluia. Gloire. Notre remerciement, Seigneur, monte vers toi, Seigneur, car toi seul tu es digne encore ce matin de recevoir l'honneur, la puissance, la louange, la gloire. Car toi, Seigneur, tu as fait des grandes choses pour nous. Tu nous as sauvés. Jésus a donné la vie à la croix pour nous, Seigneur. Car nous méritions, Seigneur, rien de ta part. Mais toi, tu as été bon, Seigneur. Tu as été clément envers nous. Et nous te remercions encore ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces sœurs qui ont été opérées, Seigneur, que c'est bien passé, Seigneur, sont rentrées à la maison. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur. Aussi pour Eliano, Seigneur. Je le présente devant toi, que tu continues à le bénir, Seigneur, à mettre ta main sur lui. Et tous ceux qui te cherchent, Seigneur, tous ceux qui implorent ta grâce, Seigneur, toi, tu n'es pas indifférent, Seigneur, en écoutant la voix de tes enfants qui crient à toi, Seigneur. Et nous te remercions car encore ce matin, Seigneur, tu vas sauver, tu vas bénir, tu vas délivrer, Seigneur, tu vas manifester ta gloire, Seigneur, au milieu de ton Église, Seigneur. Merci comme tu vas voir aussi ton serviteur pour nous donner ta sainte parole, Seigneur. Plein de grâce et de vérité, Seigneur. Continue à bénir ton Église. Bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Signore, in questa mattina siamo davanti alla tua presenza, Padre, per lodarti e ringraziarti, Signore, di quello che tu fai.
santo, Signore. Signore Dio nostro, per questo veniamo davanti a te, Signore, perché tu sei il nostro soccorso, Padre, il nostro liberatore, Signore. Benedicici in questa mattina, Signore, nell'insieme, Signore, passeggia in mezzo di noi, Signore, tocca ognuno di noi, Signore, apri il nostro cuore, Signore, di amarti, Signore, e glorificarti, Signore. Signore, mettiamo davanti la tua parola, Signore, che tu la benedici in questa mattina, Signore. Benedici il tuo servo, Signore, e rivestilo col tuo Spirito Santo, Padre. Noi aspettiamo da te in questa mattina che tu mandi pioggia di benedizione, Signore, ognuno di noi, Signore, opera grandemente, Signore, tutte le richieste di preghiera, Signore. Grazie, Signore, per le sorelle che tu hai operato, Signore Gesù. Continua a benedire, Signore. Un pensiero ancora per quelli che sono partiti in vacanza, Signore, che tu li guardi e li sostieni, Signore. Oh, Signore, tu sei il nostro Dio, Padre, tu sei il nostro liberatore, Signore, il nostro amico fedele, Signore. Tu non ci lasci, non ci tradisci mai, Signore. Tutti l'ammalata ancora, Signore, gli afflitti e gli scoraggiati, Padre, opera grandemente, Signore, i piccoli bambini, Signore, falli crescere in te, oh Signore, i nostri giovani, Signore, guarda e sostieni, Signore, e l'anima mia ti dice grazie, Signore, di quello che tu fai ogni giorno per me, Signore. Grazie, ti dico, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Merci Jésus. Alléluia. De tout mon être. De tout mon être. Alors s'élève ma chance. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand. Prendre place. Qu'il est bon, frères et sœurs, de louer l'Éternel. Amen. Alléluia. Ce matin, nous avons la joie d'avoir avec nous donc, le frère Julien et la sœur Antoinette qui reviennent de vacances. Nous avons aussi Frédéric, Natacha, qui sont accompagnés d'un couple donc de famille ukrainienne. Et nous voulons aussi leur donner la bienvenue. Et vous tous qui êtes là, soit de plus longtemps pour la première fois, que Dieu nous bénisse ensemble. Il y a Salvatore aussi qui revient de vacances. Nous voulons leur donner aussi la bienvenue. Bon, ça va être un temps de départ et d'arrivée. Et pour ceux qui ne partent pas, ben, patience. Hein. Ce sera pour une autre année, une autre fois. Ce matin, vous êtes d'accord si on ouvre la parole ? On va méditer la parole ce matin dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 6. Texte, l'histoire que nous nous apprêtons à lire est assez importante parce qu'elle a retenu l'attention des trois premiers évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, ont tous les trois raconté et mis par écrit cette histoire, cet événement qui s'est passé au temps donc du Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre dans son ministère terrestre. Alors on va lire ensemble quelques versets de Luc chapitre 6, on va lire des versets 6 à 11. Luc 6, 6 à 11, tu as le texte ? Seigneur, sois loué, je vous invite à vous lever. Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit
à enseigner. Là se trouva un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors il promena son regard sur eux tous et dit à l'homme, « Tends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Elle fut saine comme l'autre. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Jusqu'ici, la parole de Dieu peut vous installer. Dieu soit loué pour sa bonne parole, qu'elle puisse être renouvelée à nos cœurs ce matin et qu'on puisse la recevoir comme lui désire nous la donner. Nous sommes dans un contexte d'hostilité. Jésus prêche, Jésus guérit, Jésus agit, Jésus démontre, Jésus enseigne, Jésus annonce. Et il y a des gens qui sont là et qui ne sont pas d'accord avec Jésus, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait, et surtout avec ce qu'il dit et ce qu'il laisse comprendre de lui-même. Ces personnes sont des personnes instruites, ce qu'on appelle des docteurs de la loi, des pharisiens, des hommes, des femmes, des hommes qui sont plongés dans la parole, qui connaissent la parole, qui enseignent la parole, et donc ils ne sont pas d'accord avec les enseignements de Jésus. Les pharisiens sont réputés pour être des hommes qui interprètent la loi d'une manière assez serré, assez fermé, assez strict. Et Jésus va plusieurs fois d'un revers de main balayer leurs enseignements. Vous savez, les pharisiens donc, enseignent et ils exagèrent la loi de Moïse. Ils vont plus loin que ce que Dieu a donné dans les commandements. Et ceci, donc, Jésus n'est pas d'accord, il l'enseigne, il le démontre, et par ses actions, par sa manière de vivre, il se démarque des pharisiens et de leurs enseignements. Il ne se soumet pas à leurs enseignements. En effet, on n'a pas lu, mais les 6 premiers versets de ce chapitre, on voit que c'est un jour du sabbat, donc du samedi, et les disciples, en passant dans un endroit, ils se servent c'est quoi qu'il est écrit ici ? Des épis, et ils commencent à manger les épis sur le passage, et les pharisiens les critiquent. C'est interdit de faire ça le samedi. Hein, c'est un jour de repos, on ne peut pas marcher autant, et ensuite on ne peut pas faire ce geste d'aller prendre des épis, les manger, c'est un travail. Donc voilà. Et ils sont dans cette discussion avec Jésus, et Jésus n'est pas d'accord avec eux. Leurs enseignements frôlent le ridicule, au point que, comme dans cet épisode, pour eux, ce n'est pas juste de faire du bien. Parce que le sabbat, le samedi, on ne peut rien faire, on ne doit pas bouger. Et donc, ce n'est même pas juste de faire du bien, de faire une guérison. Les pharisiens enseignaient que c'était péché de se regarder dans un miroir le jour du sabbat, parce que c'était aussi une action. Donc, on pouvait imaginer où ils vont pousser l'enseignement. Moïse n'avait jamais donné des enseignements aussi stricts. Et donc, Jésus n'est pas d'accord avec eux, il va le démontrer. Il va l'enseigner. Jésus va expliquer 2 enseignements importants sur le sabbat. Premièrement, il va dire que le sabbat a été fait pour l'homme. Et l'homme, ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat. Le sabbat, c'est un jour de bonheur, de paix. Mais si le sabbat devient un jour de règles oppressantes, il ne remplit pas le but que Dieu a donné au sabbat. Et Jésus va démontrer non seulement que le sabbat est fait pour l'homme, qu'il est là pour servir l'homme et non pas que l'homme doit servir le sabbat, être soumis à des règles oppressantes, mais en plus, Jésus va démontrer qu'il est le Seigneur, le maître du sabbat. Il va démontrer son autorité, même le jour du sabbat. Et il va le démontrer dans ce texte, comme on l'a vu, par cette guérison. On va se concentrer quelques instants sur cet homme à la main paralysée. Premièrement, voyons où se trouve cet homme dans ce texte, dans quel lieu il se trouve. Si vous avez suivi la lecture, vous allez constater avec moi que cet homme se trouve dans la synagogue, dans le lieu de réunion des Juifs, où les Juifs se réunissent pour lire, étudier la Torah, la parole de Dieu, adorer. Jésus entra dans la synagogue, il enseignait, il s'y trouvait un homme. Frères et sœurs, amis, l'endroit où on se trouve, les endroits que l'on fréquente, disent un petit peu qui nous sommes. Si une personne se trouve en prison à moins d'une erreur judiciaire, c'est qu'elle est là parce qu'elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Si une personne elle se trouve dans un café à 9h du matin avec une bière à la main, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui est
esclave de l'alcool. Si tu te trouves dans un stade de foot, on imagine que tu aimes le football. Si tu te trouves dans une église, on peut imaginer, à moins que tu sois venu juste pour faire plaisir, que tu es intéressé aux choses célestes, aux choses de Dieu, à la dimension spirituelle. Et on peut déduire la même chose de cet homme. Il se trouvait là parce que certainement il était un croyant en Yahvé, en l'Éternel. Et il était intéressé aux choses de Dieu. S'il était dans ce lieu, peut-être qu'il avait reçu une notification sur son smartphone, il était écrit « C'est Jésus aujourd'hui l'orateur, c'est lui qui va prêcher à la synagogue. » Et donc il était intéressé, il a voulu aller écouter Jésus. Si tu te trouves dans ce lieu, c'est peut-être et certainement parce que tu es intéressé à Jésus. Jésus, ce jour-là, était le prédicateur. Ça me fait un peu imaginer. Imaginez un petit peu, au moment de prêcher, au moment de lire la parole, de l'expliquer, de l'enseigner, on a appelé le rabbin Jésus pour monter et parler. Alors ce matin, ce n'est pas Jésus qui est devant, mais par contre, comme à cette époque-là, nous voudrions que ce soit Jésus qui parle. Parce que Damiano, le pasteur ou quiconque, n'a rien à donner. Par contre, Jésus a celui qui a la parole de vie. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur Jésus, parle toi-même à mon cœur. Je suis émerveillé de voir que dans ce lieu se trouvait le Fils de Dieu, celui qui pouvait agir. Et comme cette synagogue a accueilli Jésus et lui a donné la parole, que ce matin, l'église de Châtelet puisse accueillir Jésus pour lui donner la parole, pour lui donner libre action au milieu de nous. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui console. Seulement Jésus peut pardonner les péchés. Jésus donne une parole qui va agir puissamment dans la vie. Jésus, c'est le seul, par sa puissance, qui est capable de libérer ceux qui sont possédés par les mauvais esprits, les démons. Jésus est le seul qui peut remplir du Saint-Esprit. Jésus est le seul qui peut délivrer des vices et des mauvaises habitudes. Jésus est celui qui donne la vie éternelle. On a tout à gagner si on invite Jésus ce matin au milieu de nous pour qu'il puisse nous parler et pour qu'on puisse ce matin entendre sa voix, la voix du bon berger. Imaginez un petit peu cette synagogue. Jésus est invité à parler, il commence à enseigner. Cet homme est là, dans la communauté, il est assis avec les autres. Et Luc nous révèle que cet homme avait un problème. Luc, c'est un médecin, pour ceux qui ne le savent pas. Hein, et donc, son diagnostic, il est assez précis. Et Luc va nous dire des choses par rapport à cet homme et à son problème. Premièrement, Luc va attirer notre attention sur la main de cet homme. Cet homme, a une main malade. Luc va d'abord localiser le problème. Et nous pouvons voir que ce n'est pas comme dans les chapitres précédents où l'on voit des paralytiques, des hommes qui sont complètement paralysés ou qui ont les jambes paralysées. On voit un homme ici qui est libre dans ses mouvements, qui est libre de se déplacer, qui a la permission de venir à la réunion. Ce n'est pas un lépreux qui est mis de côté, ce n'est pas un homme qui a une maladie qui le rend impur rituellement, c'est un homme qui peut se rendre chaque samedi, chaque semaine à la réunion et il est là, mais cet homme a un petit problème. Ce n'est pas un problème général dans sa vie, c'est un problème bien précis, bien localisé, un problème de main. Non seulement ça, Luc va aller plus loin, il va dire qu'il a un problème bien précis dans sa vie, ce n'est pas tout son corps, ce n'est pas un problème général, c'est un problème partiel. Donc. Et ce problème, c'est à cette main. Et cette main, c'est la main, quelle main? La gauche ou la droite? Qui a bien retenu? Ah, la main droite. Il a un problème à la main droite. Donc, je dois faire comme ça parce que vous êtes en face. Donc, la main droite. Il a un problème à la main droite. Alors, même si ce problème n'est pas général, l'apôtre Paul va dire quand il y a un membre qui souffre, tous les membres souffrent. D'une manière ou d'une autre, cet homme est handicapé dans sa vie de tous les jours au quotidien. Et le fait que Luc précise la main droite, au-delà d'être droitier ou gaucher, la main droite, c'est très symbolique dans la parole. On peut le voir par exemple dans le psaume 18:36, « Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand
par ta bonté. Et il y a plein de versets dans la parole, plein de références bibliques où on trouve que la main, on parle de la main droite, de la droite de Dieu. La main droite, c'est le symbole de la main de l'action, la main du pouvoir, la main qui fait bouger les choses. C'est la main forte. Eh bien, cet homme a un problème. Là où il devrait être fort, il a un point faible. Le problème de cet homme, ça va le mettre en difficulté. Imaginez un petit peu, moi, si je n'avais pas mes deux mains, déjà, j'ai difficile à faire mes lacets avec les deux mains. Si j'avais qu'une main, il y aurait vraiment des complications. Donc, imaginez un petit peu tout ce qu'on peut imaginer. Il devait le faire avec une seule main. Ce n'était pas évident. Je répète, le problème n'était pas général. Il n'était pas complètement bloqué. Il avait quand même assez d'aisance dans sa vie. Mais il avait quand même cette chose-là qui, de temps en temps, certainement, lui revenait à la tête, à la pensée. Quand il devait faire quelque chose, ben, il pensait, et sa main, ben, elle servait. Elle était là, mais elle ne servait à rien. J'aime voir dans ce texte et lire que les pharisiens qui étaient là étaient complètement insensibles à son problème. Pour eux, Jésus n'avait pas le droit de guérir cet homme le samedi. Il pouvait quand même attendre demain. Il n'était pas en train de mourir, le gars. Il pouvait dire, Seigneur, attends quelques heures, demain c'est dimanche, tu vas le guérir, t'emballes pas trop. Hein, voilà. Les pharisiens sont insensibles à son problème. Peut-être que les gens autour de toi voient que tu as un souci, mais restent assez insensibles. Mais ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que tu ne passes pas inaperçu aux yeux du Seigneur. Le Seigneur, non seulement il voit ton problème, comprend ton problème, il est sensible à ton problème, et surtout, il veut agir en ta faveur. Le Seigneur connaît. Luc nous dit qu'il a un problème à la main droite, et il nous dit quel est le problème, il dit que sa main est paralysée. Alors, le mot qui est utilisé ici par Luc, la définition de ce mot, ça veut dire membre du corps privé de sa circulation naturelle. Littéralement, c'est une main sans vie. C'est intéressant parfois de, je vous invite à le faire quand vous lisez la parole, que vous méditez, d'avoir une ou deux versions, ou même plus, avec le smartphone, c'est assez facile, de comparer les versions de Bible. Et c'est intéressant de voir comment ce mot est traduit par les différents traducteurs. Donc, dans ma Bible, la Seconde Vatin, c'est écrit « une main paralysée ». Dans la Louis II, c'est écrit « une main séchée ». Dans d'autres traductions, c'est écrit « une main desséchée ». Et intéressant, dans la Vulgate, dans la traduction en latin de Jérôme, il est écrit « une main aride, desséchée ». Voyez, est-ce que vous voyez un petit peu l'image? Quelque chose de sec, dépourvu de vie, dans l'aridité, une sécheresse totale, une paralysie. Alors, le terme paralysie nous parle du fait que sa main était complètement bloquée et qu'il ne pouvait pas accomplir certaines choses. Sa main était devenue insensible. Sa main était devenue figée. Il avait une paralysie. On peut prendre l'autre mot, le terme desséché ou séché, aride. Ce terme met en valeur le fait qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui était mort, qui était sec, qui était dépourvu d'eau. C'était devenu aride. La sécheresse de cet homme, de la main de cet homme, nous parle de la mort, mais pas une mort complète. Une partie de sa vie était morte. Une partie de lui était dans l'aridité. Une partie de sa vie et de son être était paralysée. Il ne pouvait pas chanter « de tout mon être », alors ce n'est vain chant. Parce qu'il y avait une partie de son être qui était morte, qui était séchée, qui était devenue aride. Nous ne savons pas à quel moment ça est arrivé dans sa vie, mais d'après les spécialistes, quand on lit le même texte en Marc, d'après la conjugaison qui est utilisée, on comprend que ce n'était pas depuis la naissance. Il avait eu un accident, quelque chose s'était passé dans sa vie, un événement était venu et avait causé ce mal, cette main paralysée. Et le message, il est simple ce matin, mon frère, ma sœur. Tu viens à la réunion, tu suis, tu collabores, tu chantes, tu pries, tu vis ta vie de chrétien, mais une partie de toi est morte. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression « quand j'ai perdu cet être cher, une partie de moi est morte avec lui » hein, on pense ici à notre famille qui nous accueille d'Ukraine. Hein, et vous imaginez, ils ont quitté leur pays. Il pourrait aussi dire une partie d'eux est morte, asséchée, a été bloquée, paralysée.
Et peut-être que quelqu'un ne vit pas complètement dans la mort totale. Tu es vivant, mais il y a quand même une partie de ton être qui ne fonctionne plus, qui est bloquée. Un événement que tu as vécu, une violence peut-être que tu as subie, peut-être même un choix que tu as fait qui t'a porté à vivre des conséquences désastreuses, on fait en sorte qu'une partie de toi est morte à un moment donné. Peut-être c'est physiquement, comme cet homme, peut-être c'est spirituellement, peut-être c'est mentalement. Depuis combien de temps tu vis dans cette situation? Le danger de cette paralysie, vous savez, c'est encore plus dangereux qu'une paralysie totale. Parce qu'une paralysie totale, vous savez, ben, on a ce problème, on essaye de s'en sortir. Mais ce gars, je pense que, comme beaucoup de ceux qui vivent comme ça, ils ont fini par vivre dans le fatalisme. Ils se sont rendus à l'évidence en disant, tant pis, je dois vivre comme ça toute ma vie. Et peut-être que tu t'es dit, bon, ça va, c'est pas complètement mort dans ma vie, donc il n'y a qu'une partie qui ne fonctionne pas, donc je vais continuer à vivre tant bien que mal comme ça. Tu as accepté la situation. Mais le Seigneur est là pour te dire ce matin, il y a plus pour toi. Pourquoi tu devrais vivre avec une partie de toi qui ne fonctionne plus? Pourquoi tu devrais vivre avec ce blocage dans ta vie? Pourquoi il devrait y avoir une partie de ton cœur qui est devenue aride et sèche? Vous savez, quand j'étais à l'école, eh bien, souvent dans mon bulletin, il était écrit « Tu peux faire mieux ». Vous savez pourquoi? Parce que quand on est fainéant, on vise juste la moyenne. Tant qu'on a les points tout juste, on est tranquille. Cet homme, il vivait une vie comme ça, dans la moyenne, alors qu'il y avait mieux et il y avait plus. Pourquoi vivre une vie spirituelle entre les deux, alors que Dieu veut te donner la plénitude? Pourquoi vivre et apprendre à se faire une raison et vivre avec ce blocage dans ta vie, alors que Dieu veut débloquer la situation? Cet homme, c'est le genre d'homme dans l'Église qui est là, et on peut compter sur lui à 70%. Ben, c'est normal, il manque quand même une main. Et il a la bonne excuse quand on lui demande un coup de main, c'est que je peux faire ce que je peux, je ne peux pas faire plus. Et parfois, on est bien dans cette situation parce qu'on ne nous embête pas trop. Et même avec le Seigneur, Seigneur, tu vois ma situation. Tu ne peux pas me demander trop. Tu vois ma situation dans physique, spirituelle, économique. Donc, voilà, je suis limité. Et en réalité, peut-être que cet homme n'avait jamais vraiment eu le désir d'être complètement guéri. En effet, même dans ce texte, il n'est jamais écrit que cet homme a demandé la guérison. C'est Jésus qui s'est intéressé à lui et qui a voulu le guérir. Et sans trop s'en rendre compte, on permet à cette sécheresse de continuer à être là dans notre vie. Je répète, alors qu'il y a plus pour nous. Frères et sœurs, ce texte, ce message m'a touché profondément. Parce que je me suis identifié à cet homme à la main. Les gens, quand ils me voient, me disent « ça va, il sert le Seigneur », alors qu'il y a peut-être une partie de moi qui est morte, une partie de moi qui est aride, et que le Seigneur, ce matin, me ressuscite. Et voilà que Jésus va intervenir. Alors que cet homme, il est un peu comme nous ce matin, assis tranquille, en train d'écouter, il va commencer à transpirer parce que Jésus va dire « Toi, lève-toi de ta place, viens te mettre au milieu. » Pas évident. Hein. Moi, dans mon caractère, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien être comme ça. Et donc, j'imagine le gars, il ne devait pas être évident pour lui. Cet homme a gardé la main sèche jusque quand Jésus est intervenu. Jésus est passé par la synagogue que cet homme fréquentait. Et il est venu pour lui, pour le chercher, pour le guérir. Parce que Jésus ne veut pas que tu vives une vie spirituelle à 50 ou à 60 ou à 70%, mais il veut que tu vives une vie entière, en abondance, à 100%. Jusque-là, cet homme, il devait se contenter. Mais à partir de ce moment-là, cet homme a vécu et il a fonctionné dans la plénitude de ses capacités. Parce que Jésus est ici ce matin pour faire quelque chose pour toi. Il y a quelque chose de mort. Le prophète Ézéchiel, il a été conduit par le Seigneur dans une vallée où il y avait des ossements morts. Et il se demandait si ces ossements pourraient revivre. Il ne le savait pas. Dieu lui dit, est-ce que tu penses que c'est fini pour ce peuple qui est mort spirituellement? Et Ézéchiel, il dit, je ne sais pas, toi tu sais, Seigneur. Et peut-être que tu te poses la question,
Est-ce que je pourrais récupérer toutes mes capacités? Est-ce que je pourrais être, vivre une vie pleine dans le Seigneur? Et la réponse, elle est, si tu accueilles Jésus ce matin, si tu obéis et tu fais un pas de foi comme cet homme l'a fait. Jésus ne lui a pas demandé grand-chose. Il ne lui a pas demandé de faire quoi que ce soit. Il lui a dit simplement, lève-toi et tiens-toi au milieu. Et en faisant ce pas de foi, au même instant, il n'est pas écrit que Jésus a dû venir le toucher, faire quelque chose. Il n'a même pas, transgressé la loi des pharisiens parce qu'il a juste parlé. Et en parler, on pouvait le jour du sabbat. Et Jésus va simplement dire, lève-toi. Et au moment où cet homme obéit par la foi, là où il y avait la mort, la vie va venir. Là où il y avait la sécheresse, la pluie de bénédiction va irriguer, va toucher, va rafraîchir cet homme. Là où il y avait le blocage et la paralysie, il va avoir un déblocage. Ce matin, le Seigneur te demande simplement, lève-toi, fais ce pas de foi et tu vas réaliser la plénitude de ma puissance. Juste un mot de la part de Dieu, et tout peut changer. J'aime ce psaume qui dit, « Car il parle, donc Dieu parle, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » La puissance créatrice qui s'était manifestée dans la Genèse chapitre 1 se manifeste encore pour cet homme. Rien qu'en parlant, Jésus va donner la vie là où il y avait la mort. Rien qu'en disant un mot, Jésus va donner la vitalité là où il y avait la sécheresse. Je vais inviter les musiciens parce que j'ai terminé, frères et sœurs. Que ce matin, nous puissions réaliser ce que Jésus a dit à la Samaritaine. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma sœur, mon ami? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait en sorte qu'une partie de toi a été complètement brûlée? Et elle est devenue aride. Qu'est-ce qui a fait, quel est l'événement qui a fait qu'il y a des blocages qui se sont créés dans ta vie? Alors tu t'es accommodé avec ces blocages, tu as continué à vivre avec en te disant, de toute façon, le reste fonctionne bien. Donc ce n'est pas grave si cette partie de mon couple, cette partie de ma vie, cette partie-là de ma famille ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on va aller de l'avant comme ça. C'est comme ça que cet homme a vécu pendant toutes ces années. Mais ensuite, Jésus est venu le rencontrer. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Parce que le même Jésus de Nazareth qui était là dans la synagogue, il est ici ce matin pour agir dans ta vie. Combien ont soif de la présence de Dieu ce matin? Combien reconnaissent leur aridité, leur sécheresse spirituelle? Combien réalisent qu'ils ont des blocages dans leur vie, qui ont besoin que Jésus prononce une parole de libération sur eux? Alors pendant qu'on chante ce chant, en pleine liberté, tu fais ce pas de foi, tu lèves les mains vers le ciel et tu dis, Seigneur, j'accueille ta parole ce matin. Par la foi, je crois que tu peux venir désaltérer mon âme, rafraîchir ma vie. Chantons ensemble, béni soit ton nom. Béni soit ma soif de toi, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, car il en est.
homme, une femme à la main sèche ce matin? Est-ce qu'il y a un homme, une femme avec partie de son cœur qui s'est aride, qui est devenue aride? Tu as vécu cette situation qui t'a bouleversé, qui a arraché une partie de ta vie. Mais ce matin, Dieu est descendu pour rendre la vie là où il y avait la place. Alors pendant qu'on a les yeux fermés, si quelqu'un, je ne dis pas de le faire par habitude ou juste parce qu'on ressent une petite émotion, mais vraiment, si la parole a été pour toi, si tu sens vraiment que tu dois faire un pas de foi, si tu sens et tu entends la voix du Seigneur Jésus qui t'appelle à faire comme cet homme, de te lever au milieu de tous, alors tu viens devant et on va prier avec toi. Comme je l'ai dit au début, j'ai rien, personne ici n'a rien à te donner. Mais le Jésus que nous connaissons, Jésus de Nazareth, le Jésus-Christ crucifié et ressuscité est là ce matin en esprit pour désaltérer ton âme. Alors tel que tu es, viens devant le Seigneur. Et avec les frères et avec l'Église, on va prier pour toi. Ne reste pas comme le pharisien indifférent ce matin. Ne reste pas comme le pharisien qui n'a pas accepté le miracle, même après avoir vu le miracle. Mais ce matin, tu dis, Seigneur, agis dans ma vie et agis dans la vie de mes frères et mes sœurs qui sont autour de moi. Parce que c'est mon être entier qui veut te servir. Pas une partie de moi, pas une partie de mon cœur ou une partie de mon corps, mais entièrement immergé dans ta présence ce matin. Entièrement renouvelé. Pendant que la musique continue, je vais inviter les frères à venir, frère Julien, frère Oco, le frère Réal, à venir... À venir, on va prier pour les frères et sœurs et que l'Église puisse intercéder, que l'Église puisse adorer. C'est pas un spectacle ce matin, il n'y a pas de pharisiens au milieu de nous. Il y a juste des hommes et des femmes qui croient que la puissance de Jésus peut s'accomplir ce matin.